Voilà, histoire d'avoir un truc propre pour YouTube. Le chat, vous m'avez dit, oui Morbo surtout qui a pris le temps de m'écrire, merci. Bonanza Bros, c'est un jeu d'infiltration. Il faut éviter ou assommer des ennemis pour piquer les trésors et se barrer. Je l'avais sur Master System, d'ailleurs je préfère la version Master System, mais c'est sûrement la nostalgie qui parle. D'accord, merci pour l'info Morbo, je connais pas du tout. D'ailleurs en parallèle, ça me fait penser à un jeu que je vais essayer de vous refaire prochainement sur mon antenne, mais là qui est un jeu sous DOS que je faisais quand j'étais ado sur mon ordi, c'est les Blues Brothers. D'avoir vu les mecs en chapeau, ça m'a rappelé les Blues Brothers, qui doit d'ailleurs aussi se jouer à deux. Donc à faire. Voilà, je suis prêt, on peut continuer. Merci. J'ai pas compris là. Oula. Oula, j'ai une latence réseau du démon. La reprise est douloureuse, je sais pas pourquoi. Voilà, ça se resynchronise. J'avais fouet. Oh, ça va vite, ça va vite. On dirait que c'est béni le. Bah, oui, c'est ça. Alors que je n'appuie sur rien. D'ailleurs, Bonanza, on voit qu'il y a un hommage là. Il y avait un magasin Bonanza. Je pense que c'est l'hommage à Bonanza Bros, justement. Attends, t'es qui? Ah, t'es le robot! J'essayais de te flamber, moi. Oh merde. Mais quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bestiaire? Là, on dirait des libellules hippocampes à grosses mains. C'est n'importe quoi. Alors, si je comprends le principe du bestiaire, c'est deux créatures de la nature fusionnées à une partie de morphologie humaine. Voilà. Je crois que c'est le principe des. Oh! Bon. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh mon dieu, ce jeu! Oh là là, je sais plus ce que je fais. Alors attends, faut bien bousiller et cramer les rayons. Oh merde, j'ai fait cramer les gens. J'ai fait. C'est pas grave, ouais. Ça arrive. J'ai failli allumer les otages. Oh, même les murs! On peut péter les murs! J'avais même pas fait gaffe. Ben vas-y, let's go, on fait tout péter. Ouais, on va faire jouer les assurances! Vandalisme! Oui. Ah, on repart dans l'autre sens. Si par hasard on avait zappé le fait de cramer une, je sais pas, une caisse, un chariot de course. C'est qui lui d'abord au loin, là, le gros monstre? Oui, merci. C'était le grand Manitou. Duel dans quoi? Daylight Broad? Mission 4. On sort bon. De la mission. Ben non, mais. Oui, tu t'es fait tendrement. Hein? Tendrement tentaculé. Mais non, mais ça suffit! Je suis qu'un robot! Je ne suis qu'un robot! J'ai pas une tête de. Voilà! De vilain pas beau. Tu peux le dire. On va rester poli, mais voilà. La 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 la. Mon dieu. Je découvre, hein, vraiment, je découvre totalement, je ne connais pas ce jeu. Les tortues ninja, allez hop. Oui, presque. Eh, hey, t'as vu, c'est la plaque d'égout de New York. NY. Ah. New York, New York. C'est New York City. New York City. Non mais l'escargot. Ouais, l'escargot de je vais aller dans le quartier de Manhattan. Burp. À New York City. Attends, je peux péter la. Oui, ah non, c'est un monstre. Il y avait une dégueulasserie sous le truc, j'aurais dû m'en douter. Je suis terriblement naïf. Mais. Je suis décalé, tu peux pas me toucher. Merde, l'autre il m'a bouffé, c'est horrible, il m'a mangé. Ah, j'ai zéro crédit, je suis game over. Oh là là. Adieu Tota. Tu vois, tu vas terriblement mourir dans un magasin d'électroménager Hi-Fi. Voilà. En facile, l'humiliation. Ouais. Bravo. Tu m'as battu de 2 points. Dans la série score de merde. L'humiliation totale. Je vais m'arrêter là, je vais aller manger.
Oui, merci, bonne app. Oui, Morbo qui dit je vais vous laisser, je vais jouer de mon côté. Bonjour à toi. D'ailleurs, je sais pas si tu diffuses, d'ailleurs, Morbo. Faut que je te fasse ta pub, Morbo. Je suis content que tu te manifestes à moi, parce que j'ai rarement l'occasion de te faire ta pub. Évidemment, comme t'as, excuse-moi de te le dire, hein, t'as un pseudo à rallonge. Alors, de tête, se souvenir Morbo, sapin, roi des gorets, c'est pas évident. Allez, let's go. Attends, moi je suis perdu dans mes fenêtres. Merci Torata, c'était génial. Ben merci à toi. C'était avec cool. Je bon vous remets ma tronche en plein écran. Alors attends. Bon appétit, amusez-vous bien et je continue à voir le stream en work. Ouais, merci, bon app, bonne soirée. Voilà, merci. Pub à Morbo. Pour ceux qui connaissent pas Morbo, Morbo il aime bien, voyez, des jeux rétro, il est pétri de culture vidéoludique au niveau des anciens jeux. Il fait pas mal de jeux japonais là, à l'instar d'un Final Fantasy. Quand je dis Final Fantasy, il va me gronder, c'est pas le bon exemple que j'ai donné. Mais les Secret of Mana par exemple. Des bons vieux classiques de littéraires, dans le sens où il y a du texte à lire, il y a ses romancés, les RPG, les jeux de rôle. Il en fait beaucoup sur sa chaîne, c'est cool. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Morbo. Voilà. C'est bien, je crois que je montre. C'est, d'ailleurs, c'est quasiment pas la première fois que j'ai plaisir de te mettre en lumière sur ma chaîne. Morbo, c'est cool. C'est cool, là. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Merde, j'ai oublié que j'avais enfourné un truc. Ah, merde. Je reviens. Panique. De justesse. Ça n'a pas cramé dans le four, mais ça aurait pu. J'ai complètement zappé que j'avais enfourné mon plat de ce soir. Et je suis arrivé à temps. Ce sera bien cuit sans être cramé. Mais j'ai failli zapper. Oh, la boulette. Donc, je me posais la question. Ah, tu fais du Grandia 2 et du Fallout 4. Ah, alors, autant Grandia 2, je serais intéressé de voir si j'ai l'occasion de te voir. Par contre, Fallout 4, que je ne connais pas à l'opus, je ne voudrais pas me divulgacher. Parce que j'ai à terme, plus tard, je recommencerai à partir du 3, je sais pas quand sur mon antenne, mais je veux pas me divulgacher, je m'étais arrêté au début du New Vegas, donc le Fallout, on va dire 3,5, là, 3,5. Mais c'est bien, c'est cool. C'est cool. Et est-ce que je me ferais pas des classiques en rétro, mais en solo? Attends des minutes, j'ai pas dit mon dernier mot, je vais peut-être pas rendre mon antenne tout de suite. Attendez voir... Ah bah non, j'ai zappé mon émulateur de Mega Drive. Simple Runcher. Attendez, je vais peut-être revenir en... Ah bah non, bah je crois que j'avais mis ma tronche. Je fais n'importe quoi. Aïe. Attendez. Qu'est-ce que je pourrais faire en solo? Oh, il y a bien un truc qui va me plaire. Mais il y en a plein que je connais pas dans les de la Mega Drive. Alors, il y a longtemps, vous voyez, j'ai plus que 40 jeux. Il me dit que j'en ai 71. Mais j'ai voulu bidouiller un truc. Oui, c'est ça. J'ai voulu télécharger le contenu de la communauté internationale. Dit, apparemment, ça fait plus de 3 minutes que tu es tout, seul, ah oui. Dans cet appel. La patrouille de la bande passante m'a demandé de te déconnecter pour économiser de la bande passante. L'humiliation de la solitude en direct. Discord qui me rappelle que je suis seul. Et là, la musique de piano triste. Ding, 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 ding. Et là, je passe en noir et blanc. L'instant drama. Twitch, tu me dis quoi, Quackshock? T'as vu Quackshock dans ma liste? Attends, j'étais... Quackshock? Je connais pas, hein. Quackshock. Non, je vois pas. Non, c'est un jeu... Enfin, je l'ai pas, apparemment. Zéro sur... Non, mais... Si vous commencez à me donner des noms de jeux au pif que j'ai pas dans ma collection, ça, on va pas s'entendre, les copains. Ça va pas le faire.
attendez. Non, na, vilain, je boude le chat, là, je vous lis plus. Je réfléchis si je peux pas jouer et me faire plaisir une dernière heure. Et encore, je commence à avoir faim, donc je vais pas rester longtemps. Non, j'avais déjà fait le flipper Sonic. Kit Camelon, Galaxy Ford, Fatal Labyrinth, Eternal Champions. Ah, Echo le Dauphin, non. Ah, c'était quoi ça? C'est pas un Tetris déguisé? Ou Puyo Puyo, qui dit pas son nom? Dr. Robotnik's Man Base Machine? C'est quoi ce jeu? Attendez. Oh, l'intro est un peu longue. Non, je crois que c'est une espèce de Tetris. Oui, c'est Puyo Puyo. C'est le Puyo Puyo à la japonaise qui dit pas son nom. Alors, seul, c'est sympa, mais à diffuser, c'est un peu cucul la praline. À moins d'être un champion et de tout péter les scores, vous, en tant que spectateur, ça va pas être drôle. 3D Blast, c'est quoi 3D? Ah, c'est le Sonic 3D. Oh, non, j'ai pas le courage ce soir. C'est trop dur, Sonic 3D. J'avais bien aimé, je vous l'avais fait en direct il y a longtemps. Mais le Château des Illusions, dit une scène. C'est les jeux que tu fais avec ton nouvel ordi. Ouais. Shinobi, alors dur aussi les Shinobi. Golden Axe, Gunground, je sais pas ce que c'est. Oh mon dieu, j'ai pas... Oh, il est dur Comic Zone, il est beau mais il est dur. Tiens, je vais essayer de me le faire un peu en solo là. J'irai pas loin, mais pour la beauté du quoi? Parce qu'il te pouille. Oh mon dieu. Fan qui va aller. On chatte moi. Ghost and Goblins. Ah, c'est un grand classique auquel j'ai pas joué, mais de nom, de réputation. Ouais, Ghost and Goblins, ça me parle. Oh mon dieu. Culte mais difficile, ouais. Option. Alors, bah, ah, il faut appuyer sur start. Oh la vache. Ah d'accord, ok, il n'y a même pas de difficile facile, c'est tu meurs, marche ou crève. Bon bah start. New York City, la ville de New York, le jour présent. Ah oui, le dessinateur qui est dans son studio avec son rat de compagnie. L'orage gronde et la malédiction frappe. Le vilain héros de sa bande dessinée qui prend vie et qui l'emporte dans sa bande dessinée. Voilà. Les rôles sont inversés, la nuit des mutants. C'est moi ou la musique gueule? Je me demande si je suis pas en train de vous rendre sourd, les copains. Oui, non? Je dois peut-être baisser le son. Je me trompe? Attendez, j'ai l'impression... Je lui ai trichoté avec le mélangeur de volume. Je trouve que le retour dans mes oreilles est vachement fort. Attendez, on va... Voilà, je vais baisser d'un tiers et prout. Alors, comment on joue? D'accord. Ah, merci. Ah oui, d'accord, c'est juste la flèche du bas. Ok. Eh oui, je suis dans ma propre bande dessinée. Magnifique. Le pire, c'est qu'elle donne des conseils. Mais t'es tellement plus dans l'action que tu joues même pas. C'est vrai que le jeu est magnifique. Oh merde, il a redessiné. Le vilain, il a redonné vie à l'ennemi. Ça, c'est génial. La narration est extra. Ah, il est au gear. Ouais, tu crois qu'il est au gear aurait aimé ce genre de jeu? Oh.
Oui, et puis il n'y a pas que du patatage, hein, y a de l'intelligence. Non, attends, le rat va me servir, mais attends, comment je se passe comme ça? Donc je ramasse le rat. Ah, je peux pas tout ramasser. Merde, c'était piégé. Génial, le couteau m'a suivi. Non, tout va me suivre, je vais déposer. Oh, je peux péter. Non, je peux péter le truc. Sérieux, ça casse? Ah, force brute, tu m'étonnes. Ah, j'ai pas pris le levier, j'ai pété la plateforme de moi-même. Je l'aime là. Oh merde, une cochonnerie dans le tonneau. J'aurais dû prévoir ce coup. C'est quoi cette cochonnerie? Comment je peux l'atteindre? Oh, joli! Oh, c'est dégueu! Je suis dans les négos. Ah, meurs un peu. Mais qui est ton créateur? Tu m'étonnes. Ah! C'est... On va l'appeler Dégueuliman. Il est tellement dégueu à venir des égouts. Dégueuliman. Ah! Mais il faut que je saute pour pas tâter, lui. Voilà, voilà, je me mets sur ton terrain. Va mourir, Dégueuliman. Allez. Et dis bonjour à Canard WC de ma part. Oh, 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 oh. Attends. Ouais. Il y a peut-être quelque chose dans la caisse. Oh, force brute! Je suis un violent. Ah, merde! Bien fait pour ma gueule. Et je détruis les bras zéro. Il n'y a plus de chauffage. Laissez-moi, Paché. C'est bien. Le dessin de l'ennemi, j'ai l'impression qu'il me fait penser à Iron Man. L'homme de métal. Eh, c'est stylé, la bande dessinée qui est déchirée au niveau des cases. Merdoum! Non! Quelle horreur! La bourde! Je voulais passer de l'autre côté, mais j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un à quai. Donc évidemment... Oh! C'était quoi? Il y a eu un tir sur un ennemi, ça venait d'où? Ah, quelle horreur! Ok, j'ai fait que 7% de l'histoire. Cette humiliation. Attends, je vais réessayer une deuxième fois parce que le jeu est magnifique. Ouh. Et bon, maintenant on a vu l'intro, excusez-moi. La nuit des mutants. Au moins, je pouvais arriver au premier boss. La fin du premier niveau, là, premier chapitre, ça serait beau quand même. Ah, c'est vrai que j'ai pas joué les objets. Je suis débile. Je n'ai pas joué mes objets. Oh la vache! Comment qu'il parle, vilain? Non! Merde, il a pas arrivé au saut. Aïe. Viens par ici que je t'évacue et que je te déchire de la page hors de la trame scénaristique, hein? Ah, j'avais le choix, je pouvais aller en bas. Ah, c'était une bonne idée. Ah, c'est sympa qu'il y ait des variantes de où est-ce que tu vas aller dans l'histoire. J'avais pas fait gaffe. Je suis allé trop vite la première fois. Attends, je descends par là. Ouais, bah il y a le coup du rat, d'accord, mais... Je peux pas... C'est bizarre. Oh merde! Ok. What's going on? Ouais, force brute! Violence! Ouais! Est-ce qu'il peut le faire ou quoi? Oh, magnifique! Tiens, allez, sors de la page! Va mourir! Va mourir et surtout ne reviens pas dans le deuxième tome!
Ah bah alors, l'autre vilain qui est de retour là. Egouman. Attends, Garbage Man. Allez, je vais l'appeler l'homme déchet. Ça parle très mal. Garbage Man. Aïe. Il est chiant avec sa... Comment on appelle ça? Sa... barbe de métal, là, quand même. C'est pas un pied de biche, c'est quoi le nom du... Le cousin du pied de biche, c'est le... La baramine, la baramine. Je sais pas ce qu'il dit en anglais, là. Bah, bon. Je sais pas en quoi peut m'aider le rat. En quoi peut m'aider le rat? Ouais, non, faut pas faire plus... Merde, c'est pire si je... Je retiens rien de mes erreurs précédentes. C'est une honte. C'est une... Oh merde. Quelle une maîtresse. Le mot de passe, c'est reste dans le trou. Stay in the hole. Ah non, il y a deux cochonneries volantes, je vais mourir. Je vais mourir. Mais quelle horreur! Il y a l'autre qui m'attend à l'autre bout. Mais comment veux-tu que je patate? Attends, je vais jouer d'un... Le rat, il peut m'aider? Ah, le rat est mort. Tout va bien! Comment je fais pour... Ah, dommage. Ah, d'accord! Je viens de comprendre les touches. Trop tard, c'est dommage. Bah oui, mais comment veux-tu... L'autre, il me barre la route. Comment veux-tu que je le provoque? Pense que la bouteille, elle te donne de la vie. Oui, je l'ai appris que trop tard. Non, c'est l'humiliation. Je crois que la fatigue me prend. Et... Mais il faudra que je refasse un jour le jeu sérieusement et que j'essaye au moins de finir le premier niveau. Au moins le premier niveau. Premier chapitre. Mais bravo, c'est grand art. C'est très beau. C'est très beau. Allez, un dernier petit jeu avant de vous laisser. Non, ça c'est les sauvegardes. Les sauvegardes, je m'en moque. Oui, quitter sans sauvegarder. Merdoum. Qu'est-ce que j'ai comme docteur Hollywood? Fatal Labyrinthe, c'est quoi Fatal Labyrinthe? Attendez, on va tester. C'est bizarre comme nom. Labyrinthe Fatal. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, on dirait un RPG comme les aime Morbeau. C'est le château maudit de Dracula. Oui, ça m'a l'air vraiment d'être un jeu de rôle. Un Final Fantasy qui dit pas son nom, là, de l'époque. Un jour, dans une forêt enchantée, il y avait un vieux dans un village avec... Oula, il y a de la populace dans le village. Oui, non, apparemment, c'est un jeu de... Oh, in English! Ah ouais, non, là, va traduire les textes en anglais, toi. Oh là là, c'est pas pour moi. C'était fatal. C'est pas le genre de jeu. Même, honnêtement, même hors antenne, c'est pas le genre de jeu qui m'attire. Super Thunder Blade, on dirait le nom d'un jeu d'avion. Non? Donc l'épée de tonnerre. Oui, hélicoptère. Ah, pourquoi pas. Là, je suis client. Alors, easy, contrôle normal. Oui, 7 vies. Je veux un petit peu de durée dans le jeu. C'est parti, 7 vies. Oh, c'est beau. Ça, c'est de l'hélicoptère. La vache. Oh, on dirait une sortie à la comment ça s'appelle, Goldorak, go rétro point fusée, je sais plus quoi, en action. Pimpala. On dirait un peu un... Oh mon dieu,
on dirait un peu un Fire and je sais plus quoi là. Mais take off toi-même. Laisse-moi décoller. Ah oui, d'accord, c'est la, le bouton opposé pour décoller. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Un Fire and Forget là, je sais plus quoi. Un jeu que j'ai connu. Oh, quelle horreur. Oh mon dieu, je m'écrase sur les chars d'assaut ennemis. Allez mourir. Je profite de mon instant court d'invincibilité en clignotant pour mourir encore plus bêtement. Et c'est dur. Oh, les jeux de l'époque étaient injouables. Le pire, c'est le genre de jeu d'arcade pour ceux qui ont connu, qui sont de ma génération. Ceux qui ont claqué, vous savez, votre argent de poche à coup de pièces de 10 francs dans les bonnes, dans les bornes d'arcade à la foire ou au supermarché, là. J'ai envie de dire, nous avons aujourd'hui notre revanche. Tout cet argent de poche perdu à coup de pièces de 10 francs pour ceux qui avaient la chance d'en avoir comme moi. Ouf. On a notre revanche d'avoir accès à plein de jeux gratos aujourd'hui ou à des prix défiant toute concurrence sur la toute puissance d'internet. Et chez Bao. Mais chez injouable, je... Quoi ? Un avion... Des avions de chasse contre l'hélicoptère, vous êtes sérieux les gens ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Mais c'est pire que dans Terminator, mais arrêtez ! Mais c'est injouable votre truc. Vous êtes des gros gros maboules. Mais comment je fais pour éviter les tirs de l'engin de mort là ? Au secours ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ah ! Ah, comment qu'on fait? Faut bouger tout le temps en fait, c'est l'astuce. Ah, au secours, ça me stresse. Ah, j'ai gagné. Oh, je sais pas, c'était horrible. Ah, puis c'est pas fini. Je sais pas, je pensais avoir une belle transition niveau 2, un nouveau décor, je sais pas, le désert ou le bord de mer. Non, c'était un boss de demi-niveau. Allez vous faire empapaouter les gens. Ce jeu est un... C'est pour les acharnés. C'est du délire. Ah ! Waouh ! Le mec héros pilote d'hélicoptère qui, à lui tout seul, remporte la guerre du Golfe. le nombre d'unités ennemies qu'on aura abattues. Extraordinaire. Un supercopter peut aller se rhabiller. Pardonnez-moi. C'est extra... C'est fou. Waouh! En fait, on est du côté d'une armée qui a misé tout son budget dans un super aéronef. Alors que le camp opposé a acheté en masse des unités de Kaamelott qui tiennent pas l'explosion d'une seule grenade. Mais en nombre. Ah, cette logique vidéoludique. Allez, faut avancer. Qu'est-ce qu'il y a, Funfan? Vendredi, aéro avec le baron, il fait du... Oh! Street of Rage 4! C'est bien que vous fassiez du... C'est cool. Ah, je demande à voir. Alors, je sais pas encore si vendredi, je vais pouvoir vous suivre en direct. Je peux pas être devin, je sais pas comment va tourner ma semaine. Mais si je peux vous voir en direct sur surtout Aero sur du Street of Rage 4, je demande à voir. Trop bien. Merci de l'info, FunFan. Je m'en réjouis d'avance. Ah. Non mais arrêtez, entre les unités au sol et les... Oui non, game over, au secours. Oui, bah, congratulations. Comme dans tous les jeux, je m'appelle Triple A. Et j'étais pas loin d'avoir le score max d'un million. Mais c'est un jeu d'acharné. Bon, allez, là-dessus, je vais m'arrêter parce que j'en peux plus, je suis épuisé. Je vais encore rejouer tout à l'heure à du Minecraft, mais évidemment hors antenne. Merci à vous de m'avoir suivi, les copains. Bah. Au secours !
Ça, mes dernières forces ont été vampirisées par ce jeu ultra nerveux de fou furieux. Merci à vous d'avoir été là, merci tout le monde. Et on a oublié de jouer au tableau mystère. Attendez, on va peut-être faire un petit peu de tableau mystère, non? J'ai failli complètement zapper. C'est vrai, c'est un jeu exclusif à ma chaîne que je vous propose, le tableau mystère. Pour ceux qui veulent jouer, essayez de faire une devinette là.